Ouais. Bonjour, hein. Bonjour, bonjour. Bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Que dire? Que dire? Que dire après, eh bien, un épisode 9 de X-Men 97, parce qu'on est là pour en parler, hein, vous avez vu le titre, la miniature, enfin bref. Que dire après avoir vu, eh bien, cet avant-dernier épisode? Déjà, ça passe vite, hein, ça passe très très vite. La semaine prochaine, ce sera la fin, on va retourner à nos occupations. Bien moins exceptionnel, bien moins dinguissime, et toutefois assez normal, parce que oui, cette série est, je pense, sur le point d'être le chef-d'œuvre qu'elle pense être petit à petit. En tout cas, oui, X-Men 97, épisode 9, on est là pour en parler, on est là pour, eh bien, dire ce qui s'est passé, et puis c'était un truc de malade, hein. Je me répète chaque semaine, évidemment, chaque semaine je dis la même chose, un épisode de dingue, un épisode de ouf, c'est magistral, c'est maîtrisé de bout en bout, que voulez-vous, c'est comme ça, et c'est encore une fois le cas avec cet avant-dernier épisode. Beaucoup de choses se sont passées, je vais essayer de synthétiser au maximum, partie par partie, en commençant d'entrée de jeu par Charles Xavier, hein, puisque c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire la star de l'épisode. Mais pas loin quand même, puisqu'on attendait tous avec impatience les retrouvailles qu'il y allait avoir entre lui et le reste de l'équipe, notamment Scott Summer, et ça a pas tardé, hein, puisque direct Scott lui a dit les termes. Pour quelle raison avoir choisi au début Magneto à sa place pour eh bien commander les X-Men? Ce dont à quoi justement Charles a répondu quelque chose de plutôt intéressant quand même. Il voulait tout simplement lui offrir sa liberté, lui et Jean, pour voilà, s'évader du manoir et vivre leur vie, fonder une famille, etc. Puisque ça a été leurs premiers élèves, hein, et directement ils ont suivi ses directives et ils ont suivi ses règles. Donc il a voulu, il a pensé qu'avec cette idée-là, il allait pouvoir leur offrir eh bien, une vie normale, on va dire. Sauf que Scott, bon, bah, c'est un petit peu une réponse qui lui va pas trop, puisque bah, il lui dit directement que c'est un X-Men, c'est un mutant, il est là pour se battre contre, enfin, pour la cause, hein, oui, c'est mieux comme ça, pour la cause des mutants dans le monde, quoi qu'il arrive, et tôt ou tard, il aurait été de retour, tout comme Charles est de retour, hein, après un an dans l'espace, dans la galaxie, auprès des Shi'ar, etc. Une discussion que j'ai vraiment trouvée intéressante, une discussion aussi qui est très très forte du côté eh bien, de Magneto, évidemment, qui débarque après avoir, eh bien, on va dire, fait tomber le monde dans une sorte de eh bien, de, comment dire, de champ électromagnétique non fonctionnable. Je sais pas si c'est français, mais bref, vous avez compris, il a voilà, annihilé toutes les énergies magnétiques du monde, ce qui a plongé un petit peu eh bien, la planète presque à l'époque préhistorique, évidemment. Parce que ben, c'est Magneto, il est capable et il est incroyable. De retour avec son costume, son casque, en tant que vilain. Là, c'est plus le Magneto gentillet, c'est plus le Magneto super-héros qu'on avait au début de la série, qui était là avec sa tenue, sans le casque, le grand M sur le torse, que j'aimais pas trop hein, comme tenue. Mais bon, pour la symbolique, ça fonctionnait. Et là, eh bien, c'est le Magneto intolérant qui est de retour et qui en a assez des conneries des humains qui débarquent, voilà, avec un charisme monumental, son costume. Au manoir, dans le jardin du manoir, au pied du lac, avec un astéroïde derrière lui, le fameux astéroïde M. Voilà, qui d'autre que Magneto est capable de faire ça? Personne. Et qui essaie justement d'appâter eh bien, la plupart des X-Men à sa cause, exactement comme lui, avec un débat très très bien mené et évidemment très pertinent face à Charles Xavier. Les retrouvailles entre les deux aussi étaient très attendues et on les a eues et je trouve que ben, ça marche, ça fonctionne encore une fois, le développement de personnages, je me répète sans cesse depuis des semaines et des semaines, mais c'est obligé de pointer du doigt cette qualité d'écriture, de détails, de dialogue, de storytelling en fait tout simplement, qui permet de donner encore plus de poids à ce qu'on regarde, et c'est juste fou, et le face-à-face entre Charles Xavier et Magneto, où eh bien, Magneto laisse un petit peu comme un con, on peut le dire, hein, oui, Charles Xavier, puisqu'il a été de retour. Un petit peu, voilà, la bouche en cœur, comme si tout allait bien. Il voit le manoir tout ruiné, mais voilà, il dit encore, voilà, mes X-Men, mes X-Men, mes X-Men. Sauf que, frérot, non, t'étais pas là, toi, t'étais pas là ces dernières semaines, ces derniers mois. T'as pas vu ce qui s'est passé sur Genosha, le génocide qu'il y a eu. Magneto lui a très, très, très bien dit. Il a vu, il lui a vu, il a vu la fameuse utopie que Charles lui a toujours vendue, auquel il croyait, etc. Il a vu sur Genosha et il a vu se faire annihiler, se faire détruire par les humains.
Donc voilà, sa fameuse tolérance, son fameux idéal, les a menés à ça, en fait, tout simplement. Donc il y a plus la place pour essayer d'apporter une certaine diplomatie, essayer de prôner la tolérance. Non, Charles, c'est plus possible, t'es à côté de la plaque, mon grand. Scott est un petit peu d'accord, c'est ce qui lui faisait un petit peu comprendre justement au tout début d'épisode. Et puis Magneto est là pour, eh bien, propulser sa voix, mettre à mal les humains, tout simplement. Voilà, le retour du Magneto et qui essaie de, eh bien, de recruter les autres X-Men qui sont d'accord avec lui ou pas. Il y a Malicia qui le rejoint, évidemment, c'est évident. Hein, voilà, et elle dit même carrément à Charles Xavier, je crois que, voilà, combien de morts il y aura-t-il encore si on vous croit, si on va dans votre sens, monsieur le professeur. Elle n'a pas tort, elle n'a pas tort, que voulez-vous? Sunspot également le rejoint, Ricardo Dacosta, de par ce qu'il a vécu justement dans l'épisode précédent, et c'était très marqué et tout à fait logique aussi, de par ses parents et de par les siens qui l'ont quand même rejeté parce que c'est un mutant auprès des autres, etc. Ça se comprend totalement, et ensuite, eh bien, on a cette scène qui est très très forte aussi, avec Tornade également qui est de retour enfin aux côtés de Forge, évidemment. Ils essaient un petit peu de faire en sorte que tout aille bien et de se remotiver un petit peu, de remotiver les troupes, de faire en sorte que les X-Men soient toujours sur pied pour, eh bien, quoi qu'il arrive, faire les choses bien pour les mutants et aussi les humains. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec la scène de discussion de manière télépathique entre Charles Xavier et le président, évidemment, où, eh bien, Charles a convaincu le président de faire confiance en ces X-Men. Pas de faire confiance à lui directement, mais à ces X-Men, à son équipe, à ses élèves, en quelque sorte. Parce que quoi qu'il arrive, et peu importe la situation dans laquelle il se trouve, les X-Men, son équipe, eh bien, est encore la seule véritable défense, eh bien, contre les mutants et contre surtout Magneto pour sauver la situation, en fait, tout simplement. Donc, à partir de là, on a un montage qui est très stylé avec, eh bien, la plupart des membres principaux qui remettent, pardon, un petit peu leur, enfin, un petit peu non, ils remettent littéralement leurs anciens costumes, Cyclope, Tornade qu'il avait déjà récupéré, Jean Grey, Wolverine. J'adore le costume de Wolverine, j'aime beaucoup le costume rouge et bleu, jaune et bleu, pardon, c'est même préféré, mais j'avoue que j'aime beaucoup aussi le costume jaune-marron, très très classe. Par contre, Cyclope, alors oui, il remet aussi son costume, c'est surtout pour la symbolique, hein, en mode, voilà, les X-Men de l'époque sont vraiment de retour comme il se doit, et donc c'est vraiment pour marquer le coup. Mais j'avoue que le costume de Cyclope, j'ai toujours eu du mal, moi, avec les costumes de Cyclope, avec la cagoule, etc. J'adore les lunettes, juste les lunettes, je trouve que c'est vraiment la classe. Avec la cagoule, je trouve que voilà, il a un peu l'air con, mais bon, voilà, c'est quand même Cyclope. Et comme je le répète, c'est évidemment pour la symbolique de la scène et du moment et de la situation, en fait, tout simplement. Donc ça marche. Et puis, à partir de la deuxième grosse partie de l'épisode, c'est surtout de l'action qu'on a, c'est de la grosse, grosse, grosse action avec deux équipes qui se séparent. Une qui va sur l'astéroïde M pour arrêter Magneto et essayer de lui faire entendre raison, du moins entre guillemets, et une autre équipe qui part, eh bien, au repère de Bastion pour tout simplement lui casser la bouche et faire en sorte d'arrêter la menace qu'il représente, lui et surtout ses sentinelles un petit peu partout dans le monde. De l'action à gogo, de l'action magnifique, une animation, alors je ne l'ai pas forcément dit toutes les semaines parce que ça ne servait à rien, mais l'animation toujours aussi belle, en tout cas pour moi, elle me parle, je trouve que c'est vraiment la classe. Dans les scènes d'action, c'est très bien chorégraphié, très bien animé, il n'y a rien à dire là-dessus, et on en a eu beaucoup. Merci à Morph, pourquoi vous allez me dire, eh bien, de nous avoir donné, même si c'était quoi, 5-10 secondes, le retour d'un Hulk bien vénère, digne de ce nom, du vrai Hulk, ça fait plaisir, il est cheaté Morph, hein. Il est cheaté l'enfant, il peut prendre l'apparence de qui il veut, c'est un truc de malade, mais merci de nous avoir donné ces quelques secondes du Hulk bien vénère, comme il se doit, ça fait très 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 plaisir, Jean Grey qui se bat contre Mister Sinister, qui utilise ses capacités, etc. Ça avait vraiment la classe. Dans l'astéroïde M, on a Diablo qui a réussi à téléporter, eh bien, Cyclope, Wolverine. On a aussi qui, je sais plus, le fauve. Non, le fauve, il est en bas. Bref. Dans le QG, eh bien, de Magneto sur l'astéroïde, qui se battent contre Malicia, évidemment, et Sunspot, hein, qui n'ont pas forcément de pitié à l'égard d'affronter, justement, eh bien, leurs amis, quoi qu'il arrive. Et puis Magneto qui fait du Magneto, qui est incroyable. À la fin, juste en bas, sur les 2-3 dernières minutes, alors on a beaucoup d'actions, jusqu'aux 2-3 dernières minutes, qui m'ont laissé bouche bée, et je pense que je suis loin d'être le seul, mais waouh quoi, on a un câble qui était sous l'emprise de Mister Sinister, hein, sous l'emprise, quoique, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un doute qui est permis, mais je pense quand même sous l'emprise de Mister Sinister, hein, comme il le fait très souvent, comme il avait fait à Morph, hein, justement, eh bien, dans la série mère de l'époque, ce que Morph justement avait expliqué, je crois, dans l'épisode 3, si je me rappelle bien de la série.
Et Cable qui, justement, sous l'emprise de Mr. Sinister, réussit à utiliser ses capacités de télékinésie, en fait, tout simplement, qui lui a été attribuée à la naissance directement et bien par sa mère, Madeline Pryor, clone évidemment de Jean Grey, donc c'est pareil. Et qui est très 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 puissant, l'enfoiré, puisqu'il va jusqu'à même tuer Jean Grey, en fait, littéralement. Jean Grey attribue un dernier message à Cyclope en lui disant adieu et puis je t'aime, quoi, tout simplement. Alors, est-ce qu'elle est morte? Parce que j'ai dit tuer. On n'a pas vu le corps, la scène ressemble un peu beaucoup à Magneto dans l'épisode 5, où on avait le doute aussi s'il était mort ou pas. On n'avait pas vu le corps, on avait juste vu le rayon, je crois, justement, du Godzilla Sentinel. Mais pas de corps, et on a vu qu'il était finalement en vie, contrairement à Gambit, hein, justement, qui lui était bel et bien mort. On avait vu même le corps à la fin, sans vie dans les bras de Malicia. Je pense pas que Jean Grey soit morte à ce moment-là. Je dirais même qu'il y a peut-être potentiellement le Phoenix, ou le Dark Phoenix, peut-être, qui l'a sauvé, qui est peut-être toujours en elle, puisque c'est un clone, on sait pas réellement ce qu'il y a au fond d'elle, on sait, même elle ne le sait pas peut-être. Donc j'avoue que ce serait un plot twist et une idée surprenante. J'y crois pas trop, là c'est une théorie que je balance comme ça, mais faire survivre Jean Grey de Cable, de par ses capacités et de par la scène qu'on a vue là, grâce au Dark Phoenix, ça paraît gros, mais on n'est pas à l'abri de nos surprises. Et par contre, sur l'astéroïde M, évidemment, eh bien, Cyclope, ayant vu ça, décide en quelque sorte eh bien, d'arrêter Charles Xavier, qui était sur le point de neutraliser Magneto, tout simplement parce que eh bien, sur Terre, hein, au repère de Bastion, les X-Men, au début, j'avais pas compris, mais c'est un petit peu en réfléchissant au truc que je me suis dit, ok, mais en fait, c'est logique. Eh bien oui, Cyclope a arrêté Charles Xavier, tout simplement parce que il était sur le point de neutraliser Magneto, et ce qui allait justement annuler le contrôle des énergies magnétiques que Magneto entretenait sur la planète Terre, et allait permettre à Bastion et à tous ses sentinelles de pouvoir, enfin surtout à ses sentinelles, puisque Bastion, lui, est toujours maître de ses mouvements, etc., mais surtout aux sentinelles Prime, de s'en prendre au monde, aux mutants, et surtout aux X-Men présents, eh bien, sur le repère de Bastion. Donc c'était assez logique au final. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Wolverine s'en charge quand même, s'occupe de Magneto par derrière, schlack. Sauf que, non, ce qu'on pouvait redouter de pire, je pense, sur une confrontation Magneto et Wolverine, eh bien, se passe. Oui, Magneto extirpe, enlève l'adamantium présent, je vais y arriver, pardon, dans le corps de Wolverine, tout simplement, et nous donne cette scène un peu violente quand même, un peu gore, c'est vrai, qui est, je crois, sur le plan final, typiquement une planche de comics où il se passe la même chose, hein, littéralement, donc le clin d'œil, le petit easter egg est plutôt pas mal, et on est laissé sur ça. Voilà, on est laissé sur ça jusqu'à la semaine prochaine. On est censé rester sur ça, la semaine prochaine, voir l'épisode final, et ensuite faire comme si de rien n'était, faire comme si de rien ne s'était passé, et retourner à nos petites activités bien moins intéressantes, là, après avoir vu X-Men 97. C'est ça le plan, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Une scène épique de ouf, triste, enfin, énorme, énorme. J'ai même pas les mots pour exprimer cette fin. C'est un truc de malade. Est-ce que Wolverine va mourir après ça? Ça me paraît gros quand même. Franchement, ça me paraît gros. Je sais pas ce qui va se passer sur le final. Si on peut théoriser, c'est maintenant ou jamais, hein. Après ce sera terminé. N'hésitez pas vous aussi à partager, évidemment, vos avis, mais pour le coup, les théories que vous avez potentiellement pour le final d'ici là, ça peut être très intéressant, et lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites pas les cons non plus, hein. Attention, gérez, j'espère que voilà, vous allez faire les choses bien, mais en tout cas, je sais pas, moi je me dis quand même qu'il y a possiblement moyen de mettre en avant le voyage dans le temps, je sais pas, je vois Bishop revenir évidemment pour le final, et arriver avec la clé d'un voyage dans le temps qui va permettre de rétablir un petit peu les choses, et de, on va dire, reconstruire quelque chose de mieux depuis ce qui se passe là dans la série. La perte de Gambit, le génocide sur Genosha, etc., etc. Ça me paraît gros aussi, tout pareil, hein, mais je me dis que c'est pas impossible, parce que là, franchement, continuer la série, puisqu'il y aura une saison 2, hein, ça c'est sûr, il y aura potentiellement aussi d'autres saisons plus tard, mais une saison 2, il y en aura une, c'est sûr, hein, c'est quasiment officiel, elle est déjà prête, je crois, elle avait été faite, je crois, et produite en même temps que la première saison, mais continuer sans Gambit. À la rigueur, ok, Gambit c'est quand même un personnage important et qu'on adore tous, mais c'est pas non plus un personnage prioritaire dans le roster des X-Men, on va pas se mentir.
Mais perdre Jean Grey, si elle est bel et bien morte, perdre aussi Wolverine, possiblement, s'il meurt bel et bien là, de par ce que Magneto lui fait subir, parce que là, facteur auto-guérisseur ou pas, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? On va réellement continuer la série sans Wolverine, sans Jean Grey, sans Gambit? Enfin, ça me paraît assez énorme. En tout cas, un épisode, encore une fois, qui était assez dinguissime. Pour l'instant, là, pour l'instant, vraiment, hein. X-Men 97, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans tous les cas, je m'en fous. Mais la série est sur le point d'être le chef-d'œuvre qu'elle pense être, en fait, tout simplement. Vraiment, si l'épisode final, il est autant de qualité que les derniers, bah on est bien. Franchement, on aura été très très bien avec cette série. On aura mangé un poulet toutes les semaines, assez exceptionnel, mine de rien. En tout cas, c'est tout pour moi, ça sert à rien de m'éterniser non plus. Trop longtemps, un épisode de fou encore une fois que j'ai absolument adoré, un vrai bonbon, et on est laissé sur ça là jusqu'à la semaine prochaine, c'est un truc de malade. Mais on va attendre avec impatience évidemment, comme des gens civilisés. Partagez-moi votre avis, j'ai déjà dit, mais n'hésitez pas, franchement lâchez-vous, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et supposément jusque là c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.